tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kill Tilt et aujourd'hui on est ensemble pour une petite vidéo théorique. Voilà, avec pour thème étudier les stats d'un joueur. Donc en fait l'idée un petit peu de la vidéo, ça va être d'apprendre à utiliser son tracker dans certaines situations. Parce qu'on n'exploite souvent pas suffisamment notre tracker, qui est quand même un outil assez formidable quand on joue au poker. Donc voilà, on va faire une petite vidéo là-dessus, sur ce thème. Donc on est parti. Alors tout d'abord, un tracker, ça ne veut pas dire un HUD, et ça c'est assez important parce que souvent on a un petit peu comment dire, il y a pas mal de joueurs qui font cette erreur, notamment des joueurs des débutants, qui quand ils veulent parler de leur HUD, par exemple, ils parlent de leur tracker. En fait, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on peut jouer, par exemple, sans HUD. Bah, par exemple, si je prends l'exemple de What Else, voilà, qui joue pas du tout, qui joue sans HUD, mais ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas son tracker. Donc ça, c'est vraiment très très important de bien faire la différence entre les deux. Le HUD, c'est les statistiques qu'on voit pendant qu'on est en train de jouer, voilà, les petits chiffres au-dessus des joueurs. Et le tracker, c'est vraiment tout le logiciel qui va nous permettre d'étudier, de récupérer les stats, de voir nos courbes, etc. Tout ça. En parlant des courbes, c'est très important, ça va être de voir au-delà des courbes. C'est-à-dire qu'en gros, un tracker, c'est pas seulement notre HUD et aller voir si on est up, si on est down, si on est au-dessus de levé, pardon, si on est en dessous de levé, si on a une courbe de notchdown reading qui monte, ou etc. Bien entendu, c'est important de jeter un œil à ces choses-là, mais c'est pas que ça, quoi. Si on n'a pas besoin d'acheter un tracker pour savoir si on est up ou si on est down, ça fait beau d'avoir des courbes qui montent ou quoi, mais concrètement, on pourrait faire la même chose avec un cahier et un stylo, en prenant juste tous les soirs en fin de session le résultat de notre cacheur. Donc voilà, donc c'est pas, ça se résume vraiment pas qu'à ça, et ça c'est important. Donc la troisième chose, ça va être de ne pas être égoïste. Alors pourquoi ne pas être égoïste? Je vais expliquer un petit peu cette phrase. En gros, l'idée c'est que dans un tracker, très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on l'a dit, on va utiliser notre HUD, on va regarder nos courbes, et ensuite on va faire des reviews en regardant notre jeu, les erreurs qu'on a faites. Ok, ici on aurait peut-être pu transformer notre main en bluff, ici on aurait peut-être pu, etc. Mais au final, là pour le moment, on pense qu'à nous, et à aucun moment on étudie le jeu de nos adversaires. Et c'est un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, c'est sur ce point-là en fait que je vais axer cette vidéo. Ça va être en fait d'étudier les statistiques des vilains, parce que ça c'est très important de prendre un certain temps quand on fait notre travail en dehors des tables, à mon sens, pour étudier le jeu des vilains, notamment les joueurs qui vont nous poser problème. C'est-à-dire que des fois, voilà, on a des joueurs, par exemple des top reg de notre limite, peu importe la limite, hein, ça peut être la NL2 à la NL1K, on s'en fout un peu, c'est pas ça qui est important. Mais vraiment ce qui va être important, c'est d'étudier en profondeur le jeu des joueurs contre lesquels on joue, pour essayer de tout simplement trouver les petites failles dans leur jeu et essayer de les exploiter. Donc voilà, on va pas s'attarder quand on fait nos reviews que sur notre jeu, ça c'est vraiment très important, mais aussi d'étudier bien sûr le jeu des vilains. Et enfin la dernière, ça c'est comme dans toutes les vidéos, bien sûr, on prend des notes, c'est très important, hein, parce que bah, notre cerveau il va pas pouvoir se souvenir de tout ce qu'on fait comme travail à froid. Donc on prend les petites notes, et comme ça nous permet très rapidement de voir comment on s'adapte directement en live. Alors donc là on a parlé du HUD, on a pas vérifié 3 fois, voilà. Du HUD, donc ça c'est mon HUD, on a fait un petit truc, et ensuite ça c'est un petit peu sur ça, enfin c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui en fait. Donc là j'ai mis pop-up, donc là c'est vraiment, enfin c'est pas vraiment un pop-up dans le sens où ça c'est le pop-up global qu'on a en session, mais bien entendu quand vous faites votre HUD, vous allez le personnaliser, vous allez faire des trucs beaucoup plus précis pour avoir l'information le plus rapidement possible et perdre le moins de temps possible. Ça c'est très important, notamment quand on multitable, d'avoir l'information le plus rapidement possible, parce que ben, 2-3 secondes en live, quand on est dans une session live, ben, c'est très important, sachant qu'on a plusieurs décisions à prendre en même temps, et si on a plusieurs grosses décisions à prendre en même temps, on n'a pas à se permettre de perdre la moindre seconde possible. Donc voilà, vraiment faire des pop-up très précis. Là, on va travailler, on n'est pas sur une vidéo en fait sur le travail en en live, c'est-à-dire que là, tout ce que je vais faire dans la vidéo, ce que je vais vous expliquer, ça va être du travail qui va être à froid. Donc on peut se permettre d'avoir des gros pop-up comme ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, faites la distinction entre ce que vous pouvez avoir dans votre HUD à froid, vous pouvez avoir des gros pop-up comme ça, pour avoir vraiment toutes les statistiques. Là, on a toutes les statistiques pré-flop du joueur, mais ça, en live, concrètement, là, vous voulez avoir votre information tout de suite, vous allez perdre quand même un petit peu de temps à lire ce graphique. Donc faites-vous des pop-up plus précis, plus concis pour le live. Donc apprendre à utiliser les stats. Donc là on va voir un petit peu le pré-flop. Donc volontairement j'ai pris un joueur Rectfish, donc un joueur qui a des leaks quand même assez importants pour qu'on ait un exemple assez précis pour la vidéo, parce que voilà, si je prends les statistiques d'un top reg, forcément je vais avoir du mal juste sur les statistiques à voir un très gros leak, ou du moins un leak voilà, sur un très bon joueur. Bien sûr il y a certains règles qui sont gagnants, qui vont avoir certains leaks importants, ils vont juste faire l'argent, beaucoup d'argent sur les fiches et moins sur les règles, ou du moins juste l'objectif sera d'être break-even ou légèrement perdant. Mais donc voilà, là j'ai pris vraiment des stats un petit peu plus grossières, on va dire. On voit, hein, c'est un joueur qui est 39-20 de PFR, donc important aussi quand on étudie comme ça en profondeur, il faut avoir un échantillon assez important. Là j'ai plus de 2000 mains sur le joueur, donc c'est suffisant. Si vous avez 100 mains sur un joueur, bon déjà il y a peu de chances que ce soit un joueur régulier de vos tables, et sur un fiche, bon, on n'aura pas suffisamment de mains, et globalement les tendances sont quand même assez marquées pour qu'on ait vraiment besoin de faire une étude en profondeur de ça. Moi globalement ces études là en profondeur, j'en fais après une par semaine, c'est-à-dire que je prends vraiment un reg qui me pose problème et j'essaie de me poser pendant 1 heure ou 2 heures sur ces stats ou quoi, et prendre des notes. Voilà, dernièrement je l'ai beaucoup fait, notamment en Omaha, pour avoir des grosses tendances, mais c'est bien entendu valable pour le hold'em sans souci. Donc là j'ai relevé un petit peu quelques erreurs. Alors je vais pas relever toutes les erreurs, hein, parce qu'il y en a plein là, sur les stats, mais c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu la façon de travailler. Donc là, on a plusieurs choses. On a notamment, donc ici, au niveau du VPIP du bouton. Donc là, je me suis attardé sur notamment ses leaks au bouton. Donc on voit qu'au bouton, il est 43-26, ce joueur. Donc il a un VPIP quand même très important. Par contre, il a un PFR qui est beaucoup moins important ici. On voit qu'il fold énormément, notamment sur les 3 bêtes quand il ouvre au bouton. Donc il ouvre finalement pas une tonne non plus au bouton, hein, 26 de PFR au bouton, c'est pas si élevé, hein. On voit qu'en style il est à 36, donc c'est pas non plus fou. Par contre on voit que c'est la position où il style le plus quand même, 36, et par contre c'est la position où il fold le plus sur 3 bêtes, il est à 74% pardon, de fold tout 3 bêtes. Donc déjà là on voit qu'on a quelque chose à faire ici. Ensuite, si on prend ces statistiques, par exemple, de 3 bêtes globales, on voit qu'ici, il est à 7% de 3 bêtes globales, ce qui est tendance, on va dire, c'est pas neat, puisque globalement, il aurait été à 4-5, j'aurais dit que c'était très tight, mais c'est quand même dans la fourchette basse, 7% de 3 bêtes. On voit notamment qu'il 3 bêtes très peu au cutoff et au bouton, donc là, on l'a noté, 3 bêtes strong en late. Donc voilà, ça, c'est important, on va quand même avoir des pistes déjà d'adaptation. Et par contre on voit que dans les blindes ça augmente, on voit qu'il est à 6 en small blind, donc là c'est pas fou, hein, la différence n'est pas énorme. Par contre on voit que dès qu'on arrive en big blind, il a 10% de 3 bêtes en big blind. Donc là on a déjà quand même un leak qui est quand même assez important, c'est à dire que le joueur 3 bêtes vraiment beaucoup trop de big blind par rapport à ce qu'il 3 bêtes au cutoff et au bouton. Donc là on a déjà quelque chose à faire. Ensuite on voit, pour coupler un petit peu cette stat à une autre stat, on voit qu'il 3 bêtes beaucoup contre le bouton et contre la small blind, ce qui est logique vu qu'on a vu qu'il travaillait beaucoup en big blind. Donc voilà, donc ici on a déjà une piste de travail assez important sur ce joueur. Et pour compléter, on voit que c'est un joueur qui squeeze très peu, hein, on voit là il a 8%, mais et qui suit en fait principalement qu'en big blind. Donc on voit qu'on est contre un profil finalement qui va énormément call dans toutes les autres positions, et par contre en big blind il va quand même 3 bêtes beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment assez important à noter et à s'adapter. Alors comment on va s'adapter à ça? Alors là, j'ai noté plusieurs choses. Alors là, globalement, pareil, hein, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment travailler. On va pas expliquer à fond, parce que ça nous prendrait 3 heures, les statistiques d'un joueur. Mais là, on note un petit peu des points et voilà comment bosser. Donc en gros, là, on a repéré quelques leaks et là, on va voir un petit peu comment les exploiter. Donc la première chose, ça va être de peu défendre. Là, j'ai mis pas de défense, mais de peu défendre contre ces 3 bêtes en late, c'est-à-dire ces 3 bêtes que tough et ces 3 bêtes bouton. On voit les 3 bêtes que 4 et 5%. On va pas se mettre à défendre par exemple des mains comme Roi-Dame hors de position ou quoi. Il y a pas, on va pas faire ça. Ensuite, pour en plus coupler, on voit il fold peu, hein, il fold que 50% aux 3 bêtes et il ne fold pas du tout. Là, si on avait l'intention de 4 bêtes, une fois qu'il a 3 bêtes, il ne fold que le 13%. Donc, ce qui est logique, hein, on voit qu'il 3 bêtes très strong, donc il va pas folder sur un 4 bêtes. Donc il n'y a pas du tout moyen de le 4 bet light et ce serait pas du tout une bonne adaptation. Par contre, ça peut nous donner des idées. On voit qu'il 3 bet très très strong, qu'il a un range du coup très solide de 3 bets. Donc en fonction des sizing, on pourrait décider de set miner de temps en temps contre ce profil-là hors de position. Là vraiment de faire un set mining pur, c'est-à-dire que en gros on hit ou sinon on check fold. Mais ça pourrait être vraiment une idée à mettre en place de temps en temps, et pourquoi pas set miner ce profil, mais en tout cas pas de 4 bêtes. Ensuite par contre, là ça va être différent, et pour le leak notamment, il fold beaucoup au bouton. On l'a vu, il fold 74% au bouton quand il steal, ce qui est vraiment beaucoup, et globalement il fold après quasiment 70% en temps normal. Donc on va pas mal le 3 bêtes quand on sera dans les blindes et quand il open. Il se mettra open du bouton. Voilà, là on a déjà 2 petites adaptations sur quelques erreurs qu'on a pu repérer là vraiment très vite. Donc on prend nos petites notes pour les avoir dans notre HUD et il n'y a pas de souci. Ensuite là on va voir le flop. Donc là j'ai étudié un petit peu les stats au flop. Donc là voilà, je vous ai mis le pop-up du flop. Et là j'ai pris 2 tendances, donc c'est parce qu'on en parle notamment souvent, j'ai beaucoup de demandes sur comment faire des vidéos sur des check raise et de faire des vidéos sur le donk bet. Et donc là du coup je me suis intéressé à ces 2 stats là et on voit qu'on a un gros déséquilibre entre les deux. C'est à dire qu'on voit que ce joueur ne check raise que 6% et au contraire il donk bet 21%. Alors on a un échantillon important, on a un échantillon de plus de 2000 mains, donc c'est pas négligeable. Et là on voit une très grosse différence. Alors qu'est-ce que ça nous dit en fait ces grosses différences? Finalement, hop, on revient un petit peu, c'est que ces ranges sont vraiment très déséquilibrés. En gros, ici, quand vilain donc bet 21% et qu'il ne check raise que 6%, on a déjà une grosse idée, c'est-à-dire globalement, il va check raise principalement que des mains pour value, donc que des mains très fortes. Et ce qui va énormément affaiblir en fin de compte sa range de donk bet de 21%, qui va finalement être très faible et qui va globalement être composé très souvent de middle pair, un petit peu des bêtes pour info, pour se situer, éventuellement des petite top pair et pas mal de mains type air total. Donc on va s'adapter de plusieurs façons. La première chose, c'est que face au donk bet, on va pas mal souvent pouvoir le raise, notamment en pur bluff, mais également le faire des floating, parce que étant donné qu'il a une range très très faible, ça va être très difficile pour lui de multibarrel. Il va très souvent battre le flop et on va pouvoir prendre beaucoup de spots de bluff derrière, et notamment par exemple et par contre les fois où on a flopé nuts, on va quasiment jamais finalement raise ses donk bets, parce que il a une range tellement faible qu'il va très très souvent bet fold. Donc on va jouer totalement exploitatif contre ce genre de joueur, et en gros flotter, enfin just call nos grosses mains, flotter quelques mains assez faibles, notamment par exemple si on a une main comme de type 2 over, des SI ou quoi, on va pouvoir flotter assez facilement et bluffer, ou tout simplement aller au showdown avec notre showdown value. Et par contre on va raise des mains en pampa total, vu que sa range est vraiment très très faible. Et au contraire par contre, contre ses check raise, contre sa range de check raise, et on va devoir overfold assez souvent si on veut jouer exploitatif, c'est à dire qu'on va devoir fold des top pairs ou même dans certains spots des over pairs, étant donné que sa range de 6% pardon, est très strong. On voit notamment, hein, juste en dessous, on voit qu'il raise ici que 9% de ses bêtes. Donc c'est vraiment peu, c'est vraiment très peu. Donc globalement quand il se met à raise en flop, il est tout simplement très souvent en value, puisqu'on voit, hein, il fold 51% au cbet, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, globalement, il va quand même assez souvent call. Donc 40% du temps, il call et seulement 9% du temps, il nous raise. Donc voilà, on peut vraiment lui donner du crédit et un joueur totalement exploitatif. Overfold, pas mal de spots contre des check raise. Et vu sa stat, il va vraiment pas du tout nous exploiter, au contraire. Donc là, c'est nous qui nous adaptons à son jeu et en jouant totalement exploitatif ici. Donc là, on a vraiment voilà, un petit peu débriefé ces deux points. Alors, j'ai pas voulu faire la turn et la river. Vraiment, l'idée, c'est le concept de la vidéo là, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et que c'est important, voilà, de prendre un joueur en particulier et d'étudier ses stats à fond. Donc, bien entendu, là, on va pas faire une vidéo d'une heure. L'idée, c'est de souligner ça. Donc là, j'ai noté quelques avertissements à prendre en compte et qui me semblent vraiment importants, très importants avant de commencer, justement, avant que vous commenciez à bosser de cette façon-là. Si vous ne le faites pas, encore, voilà. Vous prenez, dites-vous, une fois par semaine, vous prenez un adversaire de vos limites qui vous pose problème, vous ouvrez tous ces pop-up-là et vous cherchez tous les leaks. Alors là, bien entendu, vous allez être beaucoup plus précis et des fois, vous allez vous rendre compte que certains joueurs que vous pensez vraiment très très bons, bah, finalement, ils ont un point où ils font une grosse erreur, notamment par exemple ça peut être ce qu'on a vu, un gros déséquilibre entre le donk bet ou le check raise. Au contraire, un joueur qui ne check raise pas du tout, un joueur qui ne donk bet par exemple jamais, ça peut être un joueur qui flotte beaucoup trop, enfin pas mal de stats, un joueur par exemple qui ne va jamais raise river. Donc ouais, il y a pas mal de stats comme ça qui vont ressortir et que vous allez pouvoir exploiter et peut-être éventuellement vous mettre à overfold ou quoi. Donc overfold certains spots, même overraise, enfin, tout est possible ensuite au niveau adaptation. Donc comprendre avant d'utiliser, pourquoi je dis ça, parce que, et ça va revenir un petit peu sur le HUD du début, il y a énormément de joueurs, je trouve, et je le vois très souvent, qui par exemple vont construire leur HUD, donc voilà, ils font leur HUD et tout, et ils sont pas capables d'utiliser, enfin, en fait ils ne comprennent pas et, une stat qui est dans leur HUD. C'est-à-dire des fois on va leur demander, voilà, oh, explique-moi ton HUD, ok, tu explique ton HUD, VPI, PFR, 3bet, etc. D'un coup, il arrive une statistique et là, tu vas lui demander, ok, mais quand est-ce que tu utilises cette statistique et comment tu l'utilises? Et il va un petit peu bugger. Bon, déjà, ça, si ça vous arrive, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous enlevez cette stat de votre HUD. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous ne la comprenez pas, elle va vous induire en erreur, vous n'en avez pas besoin. Et deuxième possibilité, vous vous mettez à bosser pour comprendre cette stat. Personnellement, je préfère la deuxième possibilité, c'est toujours bien quand on ne comprend pas d'essayer de comprendre derrière plutôt que de choisir la solution facilitée. Ensuite, bah, on l'a parlé, il y a des joueurs qui n'ont pas de HUD, voilà, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de HUD qu'on ne doit pas bosser pour comprendre les statistiques quand on doit bosser notamment à froid comme là on a vu. Donc dans tous les cas, ça reste important de travailler. Deuxième chose, certaines stats ne s'utilisent pas seules et ça c'est vraiment très important. Je vais prendre un exemple tout bête et un petit peu caricaturer le truc, mais si on prend l'agression factor. On prend l'aggression factor, voilà, on a deux joueurs, on a un premier joueur qui a un aggression factor par exemple de 4, on va dire, allez, très élevé, et un joueur qui a un aggression factor, mettons, de 1, ok. Bon, là, si on prend juste cette stat-là, on se dit, ok, bah là, on a un joueur très agressif et on a un joueur qui est très passif. Ok, sauf que si on s'arrête là, on n'a pas plus d'infos et finalement, on ne peut pas vraiment dire ça. Parce qu'il va falloir qu'on prenne en compte le VPI et le PFR des joueurs, et ça va être important pour coupler ces statistiques à notre AF et vraiment déduire quelque chose. Parce que si on a un joueur par exemple qui est mettons 30-25, ok, il a son AF de 1, bon on va dire, allez, on va un petit peu l'augmenter, on va dire 2, bon là finalement on va dire il est moins agressif que le joueur qui a l'AF de 4. Sauf que si le joueur qui a l'AF de 4 par exemple, c'est un joueur qui est 16-15, donc un hit, bah, c'est juste normal qu'il soit ultra agressif parce qu'il va jouer qu'avec des mains strong. Donc en gros, il va quasiment tout le temps ses bêtes. Il va très souvent 2 barrels ou 3 barrels ou quoi parce qu'il aura des mains fortes. Donc forcément, il aura un AF qui sera plus élevé que l'autre joueur. Donc voilà, là c'est vraiment un exemple caricatural hein, que je donne, mais vraiment pour donner la tendance de faites attention, il y a plein de stats qui ne s'utilisent pas toutes seules, même la plupart d'ailleurs des stats. Et on va prendre en compte ce genre de choses. Faites attention quand vous bossez là-dessus. Troisième point, et là il est vraiment très important et parce que ce travail-là, on l'a dit, c'est un travail qu'on va faire sur les règles. Et c'est que bah, les règles, les bons règles, bah, leur jeu il va évoluer parce qu'eux aussi ils bossent. Donc eux aussi, ils vont étudier leurs propres stats, essayer de regarder là où ils ont des leaks, discuter avec d'autres joueurs, etc. Donc leur jeu évolue. Donc faites attention quand vous faites vos reviews, ne prenez pas non plus ça pour acquis. Si vous dessinez un leak d'un reg, vous allez pouvoir l'utiliser un temps, mais logiquement, s'il est bon, il devrait s'adapter et le résoudre. Et donc là, ce sera à vous de refaire le boulot pour repasser au-dessus de lui, etc. Donc voilà, c'est un travail finalement qui est un petit peu sans fin. C'est là où on voit que les joueurs qui ne travaillent pas, s'ils stagnent, et bien tous les joueurs qui bossent à côté, ils vont de plus en plus leur marcher dessus en comment dire, en décelant des leaks. Et ben voilà, si un joueur décèle un leak dans notre propre jeu et que nous on fait pas le travail, et ben il va l'exploiter une tonne et au fur et à mesure il va nous défoncer. Et tous les règles qui vont faire ce travail là, ils vont nous défoncer. Et nous, si on fait pas ce boulot là, et ben on progressera pas. On va au début gagner un peu moins, finalement après stagner et devenir un joueur perdant. Donc vraiment ça, c'est à prendre en compte. Bossez votre jeu à fond, mais ne restez pas sur des acquis. Par exemple, votre prise de notes doit forcément évoluer. Si vous avez une note sur un reg que vous trouvez bon et que vous trouvez toujours bon dans 3 mois, il y a peu de chances que cette note soit toujours valable. Donc voilà, prenez toujours conscience que le jeu évolue. Et enfin, dernier point, alors ça j'en ai parlé au tout début, c'est jeter un œil aussi à votre stat et faites ce propre travail sur vos propres statistiques. Vous allez peut-être déceler que vous avez un écart important entre votre PFR au cutoff et votre PFR au bouton. Ça veut peut-être dire que vous ne stylez pas assez au cutoff, ou peut-être que vous stylez trop au bouton. Regardez vos stats, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un. Si par exemple on l'a vu tout à l'heure, si vous avez un 3-bet au bouton qui est plus faible que votre 3-bet en big blind, généralement il y a un petit souci. Si vous ne 3-bettez par exemple pas du tout au cutoff, si vous avez, je ne sais pas, une range de check raise de 15% et vous n'avez pas du tout de range de donk bet, ben ça peut être des points importants pour créer de la nouveauté dans votre jeu et bosser dessus pour justement poser des soucis aux règles. Il y a des joueurs par exemple, des règles qui vont avoir énormément de soucis à s'adapter quand un autre règle donk bet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème à s'adapter quand ils sont face à un donk bet d'un fish. Voilà, on l'a vu, hein, là par exemple on a pris un exemple d'un Rectfish, on a vu qu'il y avait une grosse différence entre sa range de donk bet, sa range de check raise, donc on a vu qu'il avait une range de donk bet très faible, ok, mais un reg quand il donk bet, généralement il a réfléchi à sa range de donk bet et vous allez pouvoir poser énormément de problèmes à pas mal de joueurs si vous vous adaptez et vous créez enfin si vous intégrez ce genre de créativité et de nouveauté dans votre jeu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous a donné des idées pour travailler sur votre jeu différemment, si vous ne faites pas ce boulot. J'attends vos questions dans les commentaires et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur Kill Tilt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à progresser. Si de façon générale vous appréciez tout le contenu qu'on fait sur Kill Tilt gratuitement, n'hésitez pas à rejoindre notre club, l'inscription est 100% gratuite et en faisant partie du club Kill Tilt, surtout vous pourrez profiter d'avantages exclusifs, à savoir gagner des tickets de tournoi, gagner des primes en cash, tout simplement en participant à nos animations qu'on organise entre membres. Donc il y a des challenges cash game, des tournois, diverses animations. Si vous voulez aller plus loin, et je remercie infiniment tous ceux qui nous soutiennent sous Tipeee, eh bien n'hésitez pas à nous faire un petit don mensuel via cette plateforme, ça fait grand plaisir et ça soutient notre projet. Sinon, vous pouvez tout simplement continuer de nous suivre via les réseaux sociaux ci-dessous, et je vous dis à bientôt sur Kill Tilt, et un gros GL au table. Ciao tout le monde, à plus.